Merci beaucoup, donc, bonsoir. Bien, chers familles, chers parents et amis, frères et sœurs, au nom de toute l'équipe de la métropole entre Terre et Ciel, nous disons infiniment merci d'avoir choisi ce site pour l'inhumation de notre très cher papa, l'artiste comédien Gianni Fai Lugulo Vita Emmanuel. Eh bien, sachant que si la métropole entre Terre et Ciel a été créée, ma chère famille, parents et amis, c'est pour vous accompagner toujours le mieux possible et de partager à jamais avec vous ce moment difficile ici, de l'autre côté ou ailleurs. Il n'y a vraiment pas de considération pour nos disparus, sachant qu'à la nécropole entre Terre et Ciel, l'original et la vraie, c'est le respect dû aux morts, puisque le mort doit être respecté. Voilà qui justifie amplement tous les gestes et toutes les cérémonies en l'honneur de nos chers disparus en ce lieu ou dans nos deux sites. Maintenant, donc, dans cette logique de respect aux morts, nous devons garder ces sites qui les accueillent, non envahis par des bouteilles plastiques. Donc, si vous avez des loges, c'est qu'il fait très chaud de préférence pour former ce tour-là ici. Et laissez-nous les vides en le jetant dans des poubelles qui sont sous nos yeux, puisque nous n'aimerions pas les jeter dans les quartiers qui vont accueillir notre très cher papa Gianni Fai Lugulo. Puisque le premier réflexe étant de jeter par terre, on ouvre, on prend, on jette par terre. Plus tard, nous aurons des montagnes de plastique dans le quartier qui va l'accueillir. Voilà. Ça, c'est de 1, de 2. Si vous êtes là pour la toute première fois dans les grands bâtiments là devant nous, nous avons prévu des sanitaires pour installation hygiénique en toilette. Pour dames et messieurs, pour les dames, là devant au préau, c'est indiqué derrière toilette. Pour le monsieur, c'est juste derrière. Je voudrais terminer en disant que par moment, j'ai dit mais par moment, pas tous les jours, il y a certains inciviques ou méchants encore de Lyon qui quittent la cité, nous accompagnent, ils font semblant d'être avec nous dans le malheur, mais ils sont là pour téléphone, sac à main, démonter, ainsi de suite, même nos véhicules. Donc, chacun de nous, chers familles, parents, aussi, soit vigilant. Merci de votre compréhension, mais aussi surtout de votre étroite collaboration. J'aimerais introduire ce mot d'accueil relatif à l'inhumation de notre très cher papa Lugulo Vita Emmanuel Gianni Fai par cette citation qui nous dit ceci, je cite, « Si tu as été aimé, si tu as donné du bonheur ou de l'espérance, il se trouvera forcément quelqu'un au jour de ta mort pour te fermer les yeux, quelqu'un pour rassembler tes amis, organiser une veillée t'entourer. » De tes souvenirs le plus cher, fin des citations, c'est d'après un auteur français, Jacques Attali. Eh bien, chères familles, chers artistes, mesdames et messieurs, nous savons qu'en de si pénibles circonstances, les paroles ont peu de poids et sont impuissantes à tenir votre immense douleur, mais la personnalité de l'artiste et comédien Lugulo Vita Emmanuel était tellement marquante que sa famille biologique, ses collègues comédiens, ses amis et ses fans failliraient à leur devoir en ne manifestant pas publiquement leur admiration pour celui qui fut un brillant artiste et comédien, très cher Emmanuel Gianni Fai. Ils sont là, ils sont tous présents, qu'ils soient croyants, agnostiques ou athées, souffrants ou pleins de santé, jeunes ou vieux, ils sont tous présents, présents, si ce n'est pas avec leur corps, c'est avec leur cœur. Tous ceux qui
un jour ont croisé ton chemin, ont collaboré avec toi ou ont fait avec toi une partie de ta route ou de ton incroyable destinée. Ils sont regroupés autour de toi. Je n'oublie pas tes parents, tes enfants, tes petits-enfants et ta famille qui ont partagé tes joies et tes épreuves. Il faut ajouter à cette longue liste tes collègues artistes, comédiens et tes fans du groupe Chic-Choc Louingé, de l'artiste Jean-Claude Kakundi, alias Ngadiadia. Cette liste ne serait pas complète s'il n'était pas évoqué la longue cohorte des inconnus de l'histoire, ceux que tu as croisés, écoutés et respectés. Il s'adresse à toi aujourd'hui au travers de ces quelques mots dont nous ne sommes que les interprètes à la fois fidèles, concis et surtout sobres. En pareille circonstance où nous sommes tous bouleversés et attristés qu'il nous soit permis de présenter à vous tous sa famille, ses amis, collègues, comédiens et connaissances, nos condoléances le plus sincères, tout en rappelant que Papa Emmanuel, notre très cher, est descendant de la lignée parentale Kasuta de Daniel et Kinzueme Dorothée du village Malou, au secteur des Migoui, au territoire de Koulungu et du Touk, dans la magnifique province agricole du Kulu. Il naquit le lundi 11 novembre 1968 à l'heure donc ici à Kinshasa. Il est voilà qui vient de nous quitter inopinément pour la félicité éternelle, encore un lundi, mais cette fois le 11 mars 2024 en France, très loin de son Congo natal, au terme d'un parcours de vie de 56 ans. Pour moi, c'était une grande inacceptable. C'est vrai qu'il est très difficile d'accéder à une personne. Son enfant, son conjoint, son parent, malgré tout, il devant notre âge, notre nouvelle réalité, aussi souffrant que puisse être la reconnaissance. Nous devons avancer sur le chemin de l'acceptation. Nous devons accepter que la maman nous reste à tout faire et que notre être cher change de forme. La raison de notre plan, nous devons aussi accepter nos enfants. Nous ne pouvons pas comprendre et que notre cher frère a eu le résultat avec sa mère, son propre plan de vie, tout a une raison d'être, et nous devons accepter l'inacceptable, son moment en offrant notre confiance à l'intelligence du grand plan de vie. Accepter nous permettra de bien démarrer le processus de l'urgence de notre souffrance, c'est-à-dire par chute de cette disparition. Chers familles, nous essayerons de nous consoler en nous rappelant que Papa Emmanuel, l'oublié Vita Emmanuel, donc je voulais dire Gianni, Faye, a merveilleusement bien rempli sa journée. Il a fait pour qu'il reste pendant longtemps encore dans la mémoire et dans les cœurs de tous ceux et celles qui l'ont connu et adopté. Notre prochain Papa Emmanuel, le garde et laisse le souvenir de notre rassembleur plutôt, un monsieur comique, serveur et généré, aussi un artiste comédien, dont les talents ont fait la joie et a suscité l'émerveillement de plusieurs femmes, surtout aussi en République démocratique du Congo. Il était aussi un modèle de détermination, de persévérance et d'engagement. Sa vie artistique a été une époque pour méditer sur les faiblesses et nos doutes afin d'ancrer en nous la volonté de cultiver les valeurs les plus hautes de tolérance et de respect de l'autre dans sa différence. Et bien, chère famille, chers parents et amis, collègues artistes, ainsi édifiés par toutes ces évocations, vous n'aurez plus jamais cherché à rencontrer notre très cher Papa Lobilovita Emmanuel, Gianni Fahy, à son domicile, au studio numéro 2 de l'avenue Pandou, au Kamunganga, dans la commune de Ngalema, ni à sa résidence en France, ni même à la sortie de quelques productions scéniques, ou moins encore après le culte du dimanche. Eh bien, nous ne devons plus jamais chercher à les rencontrer à ces différents endroits. Pourquoi ? C'est parce que tout simplement, à partir de ce jour, il vient de changer d'adresse et de commune pour reposer désormais ici à la métropole de Kinshasa, et cela dans le quartier VIP Culture B, sur l'allée 4 au numéro 22 de l'avenue Souvenir de Tout, dans la commune de Lancelet. Je reprends la nouvelle adresse physique
de notre très cher papa Lobilo Vita Emmanuel, appelé affectueusement Gianni Fry, et bien il est bien cité, métropole de Kinshasa, quartier VIP Culture B, allée 4, numéro 22 de l'avenue du souvenir de tout temps, la commune de lancer. C'est donc à cette adresse, chère famille, parents et